Bonjour c'est Ken, alors aujourd'hui je vais vous présenter une méthode d'intensification sur les pecs. Avant de commencer, je vais vous me présenter, je m'appelle Ken, je suis coach sportif et préparateur physique. L'objectif de ma chaîne c'est de vous montrer qu'on peut atteindre n'importe quel objectif physique et athlétique depuis chez soi. Et aujourd'hui, ce qui est courant d'ailleurs sur ma chaîne, je vais vous présenter une méthode d'entraînement avec élastique. On parle beaucoup de élastiques, donc là on va voir comment adapter les méthodes traditionnelles qu'on trouve en salle, chez soi avec élastique. J'ai souvent ce genre de questions. Est-ce qu'on peut vraiment travailler efficacement en musculation avec élastique Est-ce qu'on peut faire des méthodes d'intensification Comment on travaille les pecs, le dos Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette série de vidéos avec plein de méthodes totalement différentes que vous pourrez adapter chez vous, que vous pourrez prendre chez vous, choisir les méthodes que vous préférez et vous allez voir que vous pouvez vraiment prendre du muscle, vous pourrez vraiment atteindre votre objectif. Si c'est préparation physique, c'est pour ça que je vais corriger parce que ce n'est pas forcément la prise de muscle ça peut être adapté à la préparation physique. Euh, vous pouvez vraiment faire de vraies séances efficaces chez vous avec élastique. Contrairement à beaucoup d'idées reçues sur les élastiques, les élastiques c'est vraiment efficace. Là aujourd'hui, donc je vais vous montrer la méthode reste pause. Donc la reste pause, qu'est-ce que c'est C'est une mini pause dans dans la série pour chercher à gagner en force. En fait, on va chercher à faire une une série de en, en général on va sur une fourchette de 8 à 10 répétitions et on, pour finir. Pour se dépasser, soit on arrive à faire ces huit répétitions et on veut se dépasser un peu plus loin. On va faire une mini pause et enchaîner un peu plus pour se dépasser. Soit on n'arrive pas tout à fait à faire les 8 répétitions, on s'arrête à 6, on fait une mini pause et on continue. Bon, je vais vous montrer. De toute façon, vous allez voir. Dans un je vais vous filmer ça et vous allez voir ce que c'est la reste pause. C'est vraiment vraiment bien pour gagner en force, pour se dépasser un petit peu plus en hypertrophie aussi. Allez, c'est parti. Alors déjà, vous voyez comment je m'installer. Je commence avec euh, il va y avoir beaucoup de tension dans l'élastique, donc je vais m'installer avec le coude qui va partir absolument au-dessus de l'épaule. Je ne vais pas forcer tout de suite avec euh, l'épaule sous la tâche. C'est important qu'avoir l'épaule toujours au-dessus de l'élastique pour avoir un maximum de force. Ouais, vous voyez, vous voyez, l'épaule est bien au-dessus du poignet, avant même de m'installer. Et là, je pars donc avec une tension dès le départ qui augmente plus je vais amener la main vers le sol. Donc je vais légèrement en diagonale, c'est-à-dire ma main gauche là, va diriger vers la main droite pour avoir une contraction au maximum. Donc étirement complet et contraction au top, donc vraiment pour travailler le pec dans, dans toute sa généralité, extérieur et intérieur du pec. Donc je vais chercher avec maximum de tension, là je récupère, vous voyez, je me redresse complètement quand je finis le mouvement, je ne me laisse pas tirer par l'élastique, parce que je peux me faire mal à l'épaule, je peux me blesser. Il y a beaucoup moins de chances de se blesser avec l'élastique qu'avec les haltères. Mais il y a quand même des consignes à respecter. Là, je replace l'épaule au-dessus de la main avant d'attaquer et je repars pour deux répétitions. hop Je refais une petite pause d'une dizaine de secondes et je vais repartir pour une à deux répétitions, ce que je peux faire en fait. Donc là, on prend 10 secondes hop et on repart. Donc ça, ça permet vraiment de se dépasser, d'aller plus loin en respectant toujours la posture. Hein. L'idée, c'est vraiment est bien sur le pec on ne fait pas n'importe quoi. Ah, et là, je vais changer de côté. Alors, pour les besoins de la vidéo, là, je choisis de changer de côté et en plus changer l'angle. Alors là, ce n'est pas judicieux de faire ça hein, dans une vraie méthode. Normalement, je ne le fais pas comme ça, je reste dans le même angle. Mais c'est juste pour, euh, par rapport à la vidéo, ce ne serait pas terrible dans l'autre angle. Et puis, c'est pour vous montrer autre chose, pour vous montrer que dans le même exercice, on peut varier les angles. Là, je vais travailler plus le, le bas des pecs. Donc, ça va être intéressant ici. Donc, je vais faire la même méthode, mais avec cette version-là, sur le bas des pecs. Donc là, je suis toujours en reste-pause, donc en respectant toujours la même méthode. Donc je prends ma dizaine, dizaine de secondes de repos, je récupère pour pouvoir faire encore au moins deux répétitions supplémentaires. Donc quand je vais me placer, vous allez voir, ici je prends l'élastique, je me place bien au-dessus, vous voyez, l'épaule bien au-dessus pour être fort, pour être vraiment pleine puissance, pour ne pas que ce soit l'articulation de l'épaule qui travaille. Et là, je repars. Donc regardez bien comme le coude est sous la ligne des épaules. Et surtout quand je monte là, le, le, le coude est toujours sous la ligne des épaules, c'est-à-dire que je n'ai pas la tête qui rentre dans les épaules, surtout ça est important. Le, le, le coude ne va pas dépasser l'épaule en direction de la tête, surtout pour qu'on laisse l'articulation mobile le plus possible. Là, je me replace, je peux même prendre à deux mains, oui, je prends à deux mains élastiques pour avoir plus de force, je suis placé et là je repars pour une à deux répétitions. Donc je contrôle toujours, hein, euh, surtout le retour, contrôlez bien le retour. On se redresse bien quand on finit. Alors voilà le reste de pause. Alors, avant je le répète, euh, je l'ai fait ici, c'est pour que vous puissiez euh, bien me voir par rapport la vidéo. Mais sinon c'est ça, hein, l'encre de porte, de porte. Vous mettez ça, c'est la partie en mousse, on met milieu de la porte, en haut de la porte, ça bloque derrière la porte, on y rentre c'est élastiques et on peut faire cette séance. Euh, pourquoi pourquoi j'ai choisi cet exercice-là Parce que c'est l'exercice, pour moi, d'après moi, avec élastique, c'est l'exercice le plus approprié pour vraiment se concentrer sur la force pure et dure. Euh, L'un de mes exercices favoris en général que je vous montre souvent sur les pecs, c'est un exercice où on fait, ici je mets l'élastique à mi-hauteur sur la porte, où je vais chercher à pousser devant moi. C'est un exercice que j'adore parce que c'est un exercice pour le devant le plus fonctionnel, parce qu'il va faire appel au pec, au gainage et à la posture des jambes, la position d'appui. Mais ici je veux gagner en force, je veux vraiment être en train de gagner en force, cibler les pecs. Donc je vais essayer de me concentrer que sur les pecs. Cet exercice-là, là, devant, il y a trop de masses musculaires qui vont travailler en même temps. Donc là, je peux me concentrer à 100% sur les pecs. En plus, en unilatéral, ça permet d'équilibrer vraiment la partie gauche, la partie droite. Entre parenthèses, j'en profite pour euh, pour vous dire que oui, on peut vraiment gagner en masse musculaire, on peut gagner en force avec les élastiques. J'entends encore beaucoup ça euh, il n'est pas possible de gagner euh, en force avec élastique. Les élastiques, c'est fait que pour euh, la rééducation, pour le renforcement musculaire, pour l'entretien. Euh, non, ce n'est pas vrai. Et comme exemple, c'est que. Il y a un an tout ça, j'ai fait le test, je n'ai pas touché une barre. Pour info, la, la fonte représente à peu près 20%, maximum 20% de mes entraînements. Donc je mets, je mets les haltères altère et barres dans mes entraînements. Ça représente à peu près 20% dans mes entraînements. J'utilise beaucoup les élastiques et les sangles de suspension. Et euh, à l'époque, je levais, euh, je faisais 6 reps à 90 kg au développé couché. Donc, ce n'est pas énorme. Euh, je ne suis pas en train de faire un concours de force. Je n'ai jamais été quelqu'un de très fort. Bah, ce qui m'intéresse, c'est être athlétique et vivre longtemps en bonne santé. Et voilà, c'est ça qui m'intéresse. Donc, donc, on s'en fout de la perte un petit peu. C'est juste pour vous montrer que j'ai gagné en force. Je levais 6 reps à 90 kg au développé couché. Pendant un an, je n'ai pas touché aux haltères du tout. Pas une seule fois. Et je ne me, entra... me suis entraîné qu'aux élastiques et sans de suspension. Et, euh, et je faisais cet exercice-là aussi, beaucoup cet exercice-là pour gagner en force. Au bout d'un an, j'ai repris la, les haltères. Je voulais voir si j'avais gagné ou perdu. Je suis passé de 6 reps à 90 kg à 10 reps à 90 kg. J'ai fait 4 répétitions de plus sur mon développé couché. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est plutôt énorme en fait. 4 répétitions de plus euh, sans avoir fait euh, de la fonte, sans m'entraîner particulièrement en fonte, sans faire une méthode de force. Je m'entraînais vraiment dans mes entraînements en partie Truc quotidien, c'est-à-dire, je cherche à prendre du muscle, mais en cherchant vraiment à être athlétique le plus possible aussi. Donc, moi, je cherche plusieurs trucs, hein. je cherche vraiment à être vraiment athlétique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est être hyper gainé, avoir un bon gainage fonctionnel, être le plus fonctionnel possible, plus que juste la prise de muscle. C'est pas ça. De toute façon, si vous me suivez, vous, vous, vous devez le savoir, hein. je suis pas dans le bodybuilding. Donc, bref, j'ai gagné en force. Donc, c'est juste pour vous dire qu'avec élastique, on peut vraiment gagner en force. Donc, voilà, c'est la petite parenthèse. Parce que ça m'énerve d'entendre beaucoup ça. Les élastiques, c'est que pour l'info. On peut pas. Enfin voilà. J'en vois beaucoup des trucs assez bien pour, pour les vacances et tout ça. Non, non, on peut vraiment faire de, de vrais perfs. Et d'ailleurs, j'utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup les élastiques en coaching et en préparation physique avec des athlètes professionnels et qui ont de super résultats. Donc voilà. Sinon, le reste pause. Pour revenir au reste pause. Donc le reste pause. Le but du reste pause, c'est gagner en force sur une série plus ou moins longue. Là, par exemple, on va partir sur 10 répétitions. On va dire, vous faites 10 répétitions. Vous faites 10 répétitions, à la fin de la dixième, vous prenez une pause d'à peu près 15-20 secondes. On va partir sur 20 secondes. 20 secondes de pause, ça fait beaucoup quand même 20 secondes de pause, mais après vous prenez 20 secondes de pause et vous repartez. Vous faites à peu près 3 reps, vous prenez 20 secondes de pause et vous repartez, vous faites à peu près 2 reps. Le total, ça fait 15 répétitions. Et la semaine d'après, vous vous dites, allez, je ne fais pas 20 secondes de pause, je fais 15 secondes de pause. Et j'essaie de faire la même chose. Vous faites pareil. Et Vous arrivez à faire toujours 15 reps. Mais par contre, vous avez diminué le temps de repos. D'accord? Vous avez fait deux fois 15 au lieu de deux fois 20. La semaine d'après, vous diminuez encore, vous faites 10 secondes, 10 secondes. Et vous essayez de faire la même chose, même nombre. Vous arrivez à peu près 14, 15 reps. La semaine d'après, ce que vous faites, c'est que vous enlevez un temps de repos. Vous ne faites pas deux, deux temps de repos, mais vous en faites que un. Par contre, vous partez sur un temps de repos de 20 secondes. Vous faites, et vous allez voir que peut-être, au lieu de vous arrêter à 10 reps, vous allez peut-être vous arrêter à 12, 13 reps. Donc déjà, ça veut dire que vous avez gagné. En une fois, vous ferez 20 secondes de pause et vous continuez. Et après, vous diminuez votre temps de repos. Et vous avez compris où je veux en venir c'est qu'au final, vous allez peut-être réussir à faire les 15 reps avec seulement 10 secondes de repos, voire aucune seconde de repos par rapport à 10 reps où au début vous faisiez un temps de repos. Il faut repartir avec deux pauses pour réussir à 15 reps. Donc, c'est à dire qu'au bout de 4, 6, 8 semaines, vous allez réussir à faire vos 15 reps en une fois plutôt que 15 reps avec deux pauses. Donc, clairement, vous avez gagné en force et en endurance de force, en résistance de force, vous pouvez tenir, tenir plus longtemps la résistance. Gardez cette méthode d'entraînement sur 4-8 semaines. Il y en a qui peuvent dépasser. Je trouve que c'est bien changer toutes les 4 semaines. En général, 4 semaines pour enlever la routine, pour laisser reposer le système nerveux. 4-8 semaines, si vous êtes sur la fourchette directe, ça va. 8 semaines. Si vous voulez faire sur 3 mois... Une méthode qui vous correspond, qui marche bien, voilà, sur trois mois. Vous pouvez le faire aussi. Par contre, essayez de faire au moins une semaine de break, une semaine de coupure, toutes les six semaines à peu près. D'accord ça, ça fait du bien. Si, si vous, je parle de vraiment, si vous vous entraînez sérieusement, si vous ne faites qu'un entraînement par semaine, bon, c'est pas, c est, c est pas méchant. Mais si vous montez à trois, quatre entraînements vraiment intenses, essayez de prendre un peu de repos, une semaine de repos toutes les six semaines, une semaine de break hein, toutes les six semaines à peu près. Ça vous fera pas de mal. Vous allez voir, vous n'allez pas perdre. Au contraire, le système nerveux va récupérer, tout le corps va récupérer, ça lui fera du bien. Voilà. Si vous voulez d'autres conseils sur l'entraînement, conseils alimentaires, des petites recettes de cuisine sympa, dans la description sous ma vidéo, il y a le lien de mon blog. Vous allez voir plein de petites recettes comme ça, plein de petits conseils vraiment sympa Si vous voulez aller un peu plus loin, si vous voulez des vrais programmes, tout construit pour atteindre votre objectif, vous avez vu, juste à cliquer ici pour accéder à mon site où vous aurez les programmes qui correspondent à votre objectif, que ce soit prise de muscle. Un programme préparation physique générale ou un programme pour améliorer votre silhouette de façon générale, silhouette plus athlétique, vous trouvez votre programme qui vous correspond. Et sur ce, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!